Eh ben, allez-y. C'est au vert. Ah, ben alors. Ah, vous êtes distrait, vraiment, vous, hein? Ah, ben oui, je suis distrait. Et vous pensez aux vacances, déjà, un peu? Vous savez où vous descendrez cet été? Oui, à Cannes, à Jouan? Oh, taisez-vous donc, non, à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Ah, je bien. Et vous trouvez de la place en pleine saison à Saint-Tropez, vous? Ah, ben, quand vous retenez, voyons. Dans un hôtel? Ben, absolument. Et vous trouvez une chambre, une salle de bain dans un hôtel? Ah non, n'exagérons rien, vous ne trouvez pas la chambre, mais la salle de bain, oui. Pensez donc, l'année dernière, nous y avons passé 3 semaines idylliques avec 2 autres couples. Vous étiez 6 dans votre salle de bain à Saint-Tropez? Ben oui. Mais comment faisiez-vous pour dormir? Ben c'est simple, il y en avait 2 dans la baignoire, 1 dans le lavabo, 1 sur l'armoire à pharmacie et 1 autre dans le placard. Ah bon? Oui, oui, moi je dormais debout, le long du mur. Vous savez, quand on est assis toute l'année au volant, ben, ça détend. Oh, je sais bien. Et le reste du temps, évidemment, alors le grand air, la plage. La plage, mais vous êtes fou. La plage, aller s'entasser comme ça sur une plage. Vous ne vous baignez pas, alors? Ben, si, mon cher, si, mais dans la baignoire. Avec une poignée de gros sel, c'est merveilleux. Puis c'est bien plus propre. Vous changez l'eau à chaque bain, alors que la mer s'est jamais renouvelée. Évidemment. On ne sait pas comment c'est fréquenté, la mer, et on ne sait pas qui s'y trempe, c'est certain. Voyez donc. Puis alors, je vais vous dire, dans une baignoire, pour un sportif comme moi, c'est merveilleux parce qu'on arrive à faire des performances. Vous arrivez à faire des performances dans une baignoire, vous? Ah ben, je comprends. Mais c'était une grande baignoire, alors. Ah, ben, la baignoire réglementaire de compétition, 1,85 m sur 60. Et alors, le grand avantage, c'est que vous avez toujours pied. Oui, bien, à moins vraiment d'être tout petit. Oui, tout petit, parce que quand même, un adulte fait généralement plus de 30 cm. En principe. Et vous pouviez nager, vous, ça allait. Oh, ben, je pense bien. Bon, si j'arrivais à faire robinet savonnier en 3,12. Départ plongé, attention, hein, du haut de l'armoire à pharmacie. Du haut de l'armoire à pharmacie dans la baignoire? Eh oui. C'est dangereux, ça, non? Il y avait des risques. Pensez-vous entièrement recouvert d'arnica? Et vous vous entraînez toute l'année, comme ça? Ah oui, bah, chez moi, c'est moins facile, parce que je n'ai qu'une douche. Alors, je fais bien mes mouvements, si vous voulez, mais je n'arrive pas à flotter. Je ne tiens pas, voyez-vous? Oui, sous la douche, il y a peu de raisons pour que vous teniez, d'ailleurs. Oui, oui. Et vous ne vous ennuyez pas pendant 3 semaines dans votre salle de bain? Ça va, pas de... Oh, pensez-vous, oh là là, nous partons en excursion pratiquement tous les jours. On part pour la journée, on emmène le casse-croûte et on va visiter le placard. Vous allez visiter le placard? Oui. Ça doit être intéressant. Oh, c'est merveilleux. Vous ne soupçonnez pas ce qu'il y a à voir dans un placard. J'ai jamais essayé. Ah, si, il faut y aller. Vous avez des petits recoins ignorés. Cette année, nous irons vraisemblablement passer quelques jours sous la baignoire. Sous la baignoire? Oui, mais par grosse chaleur, c'est l'idéal. Et vous n'avez pas bronzé beaucoup à ce régime-là, dans une salle de bain, sous une baignoire? Comment bronzer? Mais ne dites donc pas de bêtises. Nous avons une lucarne qui donne directement dans la salle de bain, et j'aime autant vous dire que quand le soleil tape entre midi 27 et midi 29, bah, il est préférable de se garer. Tenez, regardez donc ça, regardez. Quoi donc? Quoi, bah, ce petit rond-là sur mon bras. Quoi, ce qu'il y a, le petit rond sur votre bras? Bah, quoi, un peu à gauche du coude. Je vois rien du tout. Ah, oh, ben, vous y mettez de la mauvaise volonté. Non, je vous assure, je vois rien du tout. Ah oui. Oh, vous avez un petit bouton, vous avez une rougeur, effectivement. Oh, imbécile, une rougeur, c'était un coup de soleil de l'année dernière. Ah, ben, soyez poli, je peux pas deviner que votre petit truc noir, là, c'est un coup de soleil. Mais dites-moi, vous croyez qu'on pourrait tenir à neuf dans votre salle de bain l'année prochaine? Oh, mais sûrement, mais venez donc, nous aurons notre kayak. Vous aurez un kayak? Bien sûr, et nous ferons toute la tuyauterie de l'hôtel. En kayak? Oui, avec une halte dans chaque siphon, ce sera divin. Et pas... Oh, tiens, une averse, je me rends. Oui, la pluie, oh, ben, descendez. Oui, restez pas là-haut, c'est ça, fermez la terrasse. Vous allez vous étendre un peu sur le carburateur, là, pour vous sécher. Voilà. Là,